spécialiste du métier à tisser au musée Papote, c'est Josiane. C'est la seule à savoir le faire fonctionner. Passionnée de travaux manuels, l'ancienne coiffeuse du village vient bénévolement faire des démonstrations devant les visiteurs. Je l'ai découvert aujourd'hui pour la première fois. C'est très intéressant. Ça nous rappelle la vie de nos ancêtres, quoi, savoir comment ils travaillaient. Et ça nous apprend des choses quand même intéressantes. Jusqu'au début des années 1900, Bligny-sur-Ouche a compté jusqu'à 80 tisserands. Les métiers à tisser, exactement les mêmes que celui-ci, étaient installés dans les caves. De cette activité, il ne reste plus rien. Il n'y a plus qu'au musée que l'on peut voir ces gestes qui longtemps ont rythmé la vie locale. Ce qui me tient à cœur, c'est déjà de transmettre, d'avoir, de voir de tout ce qu'ils pouvaient faire avec ce genre de métier. Et puis, des choses qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, parce que là, dernièrement, on est allé visiter un atelier de tissage où c'était tout électronique et tout. Et c'est à côté, c'est zéro à côté de ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est fabuleux. Ce que l'on tissait à Bligny-sur-Ouche, c'était essentiellement des vêtements. Pour la matière première, il ne fallait pas aller bien loin. Elle était cultivée sur place. Il s'agissait du chanvre. Celui qui est passionnant et intarissable sur le sujet au musée, c'est Guy. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du chanvre. Souvent, le chanvre, on le confond avec le lin. Le lin, c'est une herbe de 50 à 80 cm, et alors que le chanvre, c'est une plante de la famille du houblon et des orties. Des chenevières, autrement dit des parcelles de culture de chanvre, il y en avait dans toute la vallée de l'Ouche, jusqu'aux portes de Dijon. Et d'ailleurs, il en reste encore des traces. Chenauve vient de la même racine que chenevière, chenevie. Donc ça prouve bien qu'à Chenauve, il y avait du chanvre. Mais comment obtenait-on du fil? Pour comprendre, rien ne vaut une démonstration. C'est ce que Guy propose aux visiteurs. Alors, ce qu'on utilise pour les tissus de chanvre, c'est l'écorce. Et cette écorce est constituée de fibres. Des fibres qu'il fallait donc séparer de la tige. Ce travail long et pénible, le taillage, était en général effectué par des saisonniers, les tailleurs. Souvent, le tailleur venait du Jura et c'était un tâcheron. S'il était bon, d'une année sur l'autre, on le reprenait. Après l'opération de taillage, on obtient une mèche. Mais vous voyez que cette mèche, a priori, on ne peut rien en faire parce que toutes les fibres ne sont pas encore détachées. Donc, il faut faire une nouvelle opération qui est le peignage. Ne restait plus qu'à filer le chanvre. Quenouilles, fuseaux, rouets, les outils sont toujours là au musée. Le chanvre a également servi à faire du cordage. Tout un pan de l'histoire de la vallée de l'Ouche à découvrir au musée Papote.